Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va faire les pires lifehacks. En gros, on va regarder des TikTok où ils font certains lifehacks que j'ai sélectionnés, bien sûr. Et on va essayer de les faire en vrai pour voir ce que ça donne et pour voir si ça marche. Je pense que certains, ça va marcher et d'autres, je pense, ça va être catastrophique. Mais on va voir ça. Alors, c'est parti, on va essayer de faire du coup le premier lifehack. Ok, alors le premier lifehack, il est cool en vrai, et en plus tout le monde peut le faire, ça c'est bien. Je pense que celui-là, il va marcher. On va essayer tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le yaourt. Alors du coup, les refs, j'ai acheté des yaourts ce matin, exprès pour ça, des yaourts aux fruits, voilà. Donc j'ai pris en gros yaourt à la cerise. Et du coup, j'ai la fameuse cuillère qui est juste ici. Donc on va planter la cuillère comme ils ont fait. Alors du coup, ils l'ont planté comme ça. Hop là, on va le mettre comme ça et on va le laisser au congélateur et on va voir ça, je pense, ce soir vers 21h pour voir ce que ça donne. J'ai récupéré le yaourt puisque je l'ai laissé en fait toute la nuit. Donc on va pouvoir goûter ça. Déjà, on voit que ça a bien gelé. Ça a tellement bien gelé. Je vais essayer avec un couteau. Hein. On va l'enlever comme ça. On n'a pas le choix. Et voilà, on a réussi. Là, on a la fameuse glace. En vrai, c'est stylé ça. Ah, je valide. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous validez aussi ce lifehack aussi. Il y a même la marque du yaourt Danone. Ah ouais, chaud. Je sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, moi, je valide. Du coup, les refs, je vais finir ça. Et on va se retrouver pour un prochain lifehack. Alors du coup, les refs, on va passer au deuxième lifehack. On va essayer de voir si ça marche vraiment bien. Et on le fait ça tout de suite. J'ai le kiwi. Avec le couteau, on va déjà couper les extrémités. Ok. Alors on va essayer maintenant de découper avec la cuillère. Ouais, ça a l'air d'être déjà beaucoup plus galère, mais bon, ok. Oh putain, la catastrophe. C'est quoi ce truc? Frère, c'est même pas symétrique. Vas-y, on refait un deuxième, j'ai un deuxième kiwi, on va essayer. Ah ouais, non mais là je l'ai raté, frère. Non mais faut couper jusqu'au bout en fait. En vrai je l'ai fourré, c'est vraiment dur à faire. En vrai c'est la catastrophe. Du coup le lifehack il est validé, voilà. Je le valide, n'hésitez pas à me dire si vous le validez. Les refs, c'est parti, on va passer au troisième lifehack. Ok les refs. Alors c'est vrai que ça va être chaud celui-là. En plein tournage, je suis obligé d'enlever une araignée. Non mais c'est abusé frère. Alors du coup, elle a essayé de percer un œuf avec une punaise. Mais je ne peux pas parce que j'ai pas de punaise, voilà. Donc je vais utiliser, je pense un couteau. Je vais essayer de faire un tout petit trou. On va essayer ça et on va faire cuire l'œuf comme elle a fait. Et on va voir si la coquille s'enlève facilement. Je vais prendre directement les deux œufs et on va voir ce que ça donne. L'œuf du coup, je vais mettre les œufs dedans. Alors on va déjà percer les œufs. Ouais, j'ai réussi, j'en ai percé un. Alors je sais pas si vous voyez. J'ai fait un tout petit trou. Ah, il est pas si petit que ça, mais bon. Ah, je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez, il y a un petit trou. On va mettre l'œuf dedans. Et on va faire le deuxième aussi. On va mettre les deux dans la casserole. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de blanc qui sort. Je crois que le trou est trop gros. Ah merde, dans le con. Mais bon, c'est pas grave, les refs. On va voir ça juste après quand ça aura cuit. Donc, dans une ou deux minutes, on va laisser. Les refs, évidemment, les œufs, je vais les manger. D'ailleurs, je vais les manger en vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir que je gaspille pas la nourriture. Surtout que j'adore les œufs en plus. Finalement, ça va terminer en vidéo dégustation. C'est quasi sûr. Hein. Bon, et bien voilà, les refs, du coup, les œufs sont faits. Ok, les refs, du coup, les œufs sont prêts. Donc, on va devoir casser l'œuf. Ah ouais, non, mais déjà. En vrai, ça cuit super bien. Ça brûle un peu, mais ça va. Du coup, on va passer au deuxième qui est juste ici. Du coup, pour celui-là, on va le casser de la même manière. Hein. Par contre, je suis en train de défoncer l'œuf. Là, je l'ai défoncé, je l'ai déglingué. À part ce côté-là que j'ai un petit peu défoncé. C'est plutôt carré comme technique. C'est ultra chaud, je suis un fou, moi. Je vais un petit peu couper pour que ça refroidisse, mais... Ah ouais, par contre, il y a de l'eau partout, ça c'est chaud. Alors, c'est vrai que je mange pas souvent des œufs comme ça, donc pour moi, c'est une des premières quasiment. C'est carré les refs, franchement faites des œufs comme ça. Je crois que je vais essayer d'en faire plus souvent parce que c'est plus facile à cuisiner, ça a un meilleur goût et en plus c'est efficace. Alors le lifehack il est validé pour moi. Alors du coup les refs, bon j'ai la flemme de me mettre là-bas donc on va rester ici, on va regarder le prochain lifehack.
Ok, on va essayer de nettoyer apparemment le carrelage avec du dentifrice. Je vais essayer pour voir si ça marche. Alors, j'ai pas vraiment du carrelage sale, mais on va essayer, on va voir. Du coup, j'ai la brosse à dents, le dentifrice. Il y a très peu de saleté, mais on va essayer de faire cette tache là par exemple. On va essayer de l'enlever avec ça. Également, on va voir si ça nettoie un petit peu le joint. Bon, il est pas trop sale non plus. Ici, il est un petit peu foncé. On va essayer ça et on va voir si le life hack marche. Alors, du coup, j'ai l'éponge qui servira à nettoyer. Également, on va mettre le dentifrice dans la brosse à dents et on va frotter comme ils disent. Du coup, alors, on va essayer là. Je sais pas. Oh putain, frère, ça a nettoyé, j'ai rien fait. Non, c'est une blague. Eh, sérieux, ça part, mais j'ai même pas besoin de. Ah, c'est abusé, frère. C'est ouf à quel point c'est propre. Bon, par contre, la brosse à dents, on la reconnaît. Elle a pris un choc. Je peux la pâter, frère. Du coup, les refs, comme vous pouvez le voir, voilà, tout est propre. Alors, je vais juste passer un coup d'éponge. Je passe un bon petit coup d'éponge. Ah, ouais, elle a chaud. Ah, oui, mais ça nettoie mieux qu'avec une éponge, en vrai. Parce qu'il y a des tâches que j'arrive pas à enlever avec l'éponge. Bon, voilà les refs, franchement c'est propre, c'est clean. En tout cas, la partie où j'ai nettoyé, c'est clean. Du coup, les refs, le life hack est validé aussi. Donc pour le moment, ça a l'air d'être plutôt carré. Hein. Franchement, là, c'est des petits life hacks cool. Alors, du coup, les refs, on va passer au dernier life hack et on va voir ce que ça donne. Ok, on va essayer de faire déjà le premier et après, les autres on va pas les faire, mais en gros, on va essayer de faire une serviette pour genre quand vous mangez au restaurant, vous avez des petites serviettes pliées. Bon, on va essayer de faire ça. C'est un petit peu de l'origami, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer avec ce torchon là, du coup. Déjà, moi, c'est même pas un carré. Oh merde, on est mal barré. On va dire que le carré commence à partir de là. Ok, donc il faut plier en 4. Genre en mode. Ah ouais, non, là c'est chaud. Et si je fais comme ça? Ah, mais non, tu peux pas. On va essayer comme ça, ouais, c'est pas le bon truc, mais bon. On va voir ce que ça donne quand même. Donc là, la personne, elle retourne. Et en gros, elle va plier comme ça. Puis, replier comme ça. Non, c'est pas possible. Attends, il y a un truc qui est trop bizarre. Ok. Elle va monter le truc comme ça. Ensuite, elle va le replier comme ça. Ensuite, elle replie comme ça. En fait, moi, ça va pas tenir. En fait, je me rends compte que c'est foutu. Elle a plié le truc comme ça. Et après, d'un coup, tu la vois faire comme ça, frère. Non, mais en fait, je peux pas le faire. C'est quoi ce torchon de merde? J'ai trop le seum, les refs, parce que ce life hack, je l'ai raté. En gros, je peux pas le faire avec cette serviette. Bon, mais c'est pas grave, les refs. Alors, le dernier life hack ne sera pas validé. Vous avez vu, hein, c'était catastrophique la fin. J'avais même pas la bonne serviette déjà. Bon, en fait, c'était même pas une serviette. Je sais pas ce qu'ils avaient. C'était une espèce de foulard fin. Moi, j'avais un torchon et en gros, je l'ai foiré. Bon, mais c'est pas grave, les refs. Du coup, j'ai un peu le seum parce que le dernier, je pensais vraiment le réussir. Je me suis dit, c'était le plus simple. Voilà. Mais en vrai, c'était le plus complexe. J'espère vraiment que les refs, cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez vraiment ce genre de concept, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms. Et je pense que je referai une deuxième partie avec d'autres types de life hacks et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à lâcher votre plus gros pouce bleu. On va se retrouver pour de prochaines vidéos, il y aura du très très lourd prochainement. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon compte Instagram, franchement c'est là où je vous informe sur tous les projets qu'il y aura sur YouTube et même sur TikTok aussi. Hein. Et je vous dis à très vite les amis.